Salut Kidou, c'est YoYo du 17. Aujourd'hui, nouvelle vidéo découverte cette fois-ci. Oui, puisque je suis pas sûr de faire un let's play en fait, je pense. Enfin, il y a peut-être un mode histoire, je sais pas, mais bref. Je vous ai même pas dit sur quoi on était, bah c'est un peu écrit là. C'est Caméra Cachée, le jeu, vous vous souvenez de Caméra Cachée, la petite série qui passait sur. Ça passait sur quelle chaîne d'ailleurs? Je sais même plus ça passait où. Peut-être la 6 ou la 9, un truc comme ça. En fait, c'est un peu comme c'est Kaamelott, mais avec une machine à café en fait. C'est un peu le principe. Voilà. Donc, Jack, j'aime pas Kaamelott. Ce truc, j'ai jamais trouvé ça drôle non plus. J'ai jamais trouvé que c'était drôle, caméra cachée. Pourquoi on fait un jeu en fait? C'est comme si tu faisais un jeu, mais sur Samantha Oops. Est-ce que vous imaginez Samantha Oops, le video game? Bah, là, c'est pareil. Mais là, sur la boîte. Purée. Sur la boîte, c'est écrit enfin la première. Simulation de vie en entreprise, voilà. Mais j'ai quand même du mal à croire qu'en 2005, ce jeu est sorti en 2005, il n'y avait aucun jeu de simulation d'entreprise. Mais c'est peut-être le premier, hein, qui a le mérite d'exister. On va commencer. Ah, c'est des missions. Oula. Jean-Claude et Hervé. Ah, c'était leur nom, d'accord. Donc là, je sais pas qui c'est, mais là, c'est d'accord. Donc là, c'est Bruno Solo, j'imagine. On va tout de suite jouer Bruno Solo parce que moi, mon rêve, ça a toujours été de jouer un jeu avec Bruno Solo dedans. Mais c'est bizarre que ce soit des parties, genre. Enfin, c'est un jeu de gestion, donc t'as pas plusieurs. Enfin, des missions, c'est pas des. Purée. Oula. Purée. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Oh, c'est hyper violent! C'est hyper vulgaire! Ouh! Gros beau gosse! C'est lui là derrière? Non, non, ne parlez pas d'Alice. Ok. Délégué syndical. Elle est bonne celle-là. Oh. Alors, je sais pas du tout, il parle d'un mec qui s'appelle Lucien. Alors. D'accord, poteau. Oula! Mais ça va, mais tranquille Hervé. Putain, il laisse un peu d'elle ce jeu. Alors je suis très perturbé parce que le doublage comparé, enfin c'était très étrange ce contraste. Alors, oh purée, chaque jour on a du travail à faire, mais c'est un jeu vidéo où je vais m'ennuyer, c'est ça? Bon, c'est un jeu de gestion, donc on va vite s'ennuyer. Non, je rigole, c'est peut-être très bien. Hein. Chaque jour, vous avez du travail à faire. Ces tâches de travail sont listées dans l'onglet Agenda. Elles sont chacune associées à un objet. Utilisez la photocopieuse pour les photocopies. Utilisez les bilans, les rapports, les notes de frais ou lire les CV. Mon Dieu, c'est horrible. Mais ce jeu, c'est pas du tout un jeu pour enfants. C'est écrit 3 ans et plus. Mais quel enfant de 3 ans veut. Quel enfant de 3 ans dit. Ah, des rapports, des CV, des notes de frais, des fiches de paie. C'est génial! Utilisez votre téléphone pour les différents appels professionnels. Attention, c'est vraiment complet. Hein. On rappelle, hein, la première simulation de vie en entreprise. Ça ne veut pas dire la meilleure. C'est bon, j'ai compris. Oh, oh, j'ai cru qu'on allait s'amuser. C'est quoi ça? Non, en vrai, je mens un peu. Il n'y a pas trop de trucs. Hein. Bien sûr, on a des ordis du futur qui font des bruits. Brouillé neutre. Ah, ok, là, c'est comment je m'entends avec chaque pélo. Lui, c'est Jean-Claude. Ah oui, bah, c'était l'autre mec, là. Je sais pas, il est joué par qui, mais c'est l'autre mec, enfin, qui est dans. C'est le second protagoniste. Lui, c'est Sylvain Muller, ok. Frère de Thomas Muller. Ah, oh, c'est bon, la petite blague. Jeanne Bignon. Nancy Langer. Attendez, il y a combien de personnes? Oh, mais il y a trop de monde dans cette rente. Je pensais qu'il y avait que trois pélos. Vincent Schneider dit Vince. Ah, oh, c'est Vince. Vince de Vince et Lou, mais qui a grandi. Il a fini dans une entreprise. Anne Lepoutre, stagiaire 55 ans, elle materne tout.
Le personnage. Ah oui, c'est genre, oh, vous voulez des petits gâteaux? Elle, c'est un peu la maman de tout le monde. Voilà, elle est trop sympa. Lui, c'est Serge Toati, psychologue d'entreprise. On a un psychologue, puis en 2005, mais déjà des psychologues, c'est fou ça. Puis on s'occupait déjà du bien-être de nos salariés, c'est ouf. À 40e, psychologue, sans que l'on sache vraiment comment, quand il a obtenu ses diplômes. D'accord, lui, c'est un gros loser. D'accord, le mec est très bon conseil. André Markovitz. Chauffeur et homme à tout faire, président. Attends, ah, homme à tout faire du président, d'accord. Lui, c'est le gros larbin. Attends, pourquoi c'est neutre? Pourquoi il y a une grosse partie? Ah oui, ok. Purée, je sens que c'est cette vidéo. Cette vidéo fera 1 heure s'il le faut. Elle fera 1 heure, mais il faut vraiment que je comprenne tout. D'accord, donc là, en gros, lui. Bah non, mais je m'entends pas du tout avec lui, je suis brouillé. Mais pourquoi il y a des types? Genre là, ok. Je suis à collègue, mais pourquoi là, le neutre, c'est hyper grand et le brouillé, c'est tout petit? Parce que si c'est la part de brouillé, de neutre ou de content. Ah non, lui c'est. Ah oui, c'est mon pote Jean-Claude, oui, c'est bien ce que je pensais. Je trouvais ça bizarre, non, j'étais sur lui. C'est sur Sylvain. Ah, comptable, 4 ans, d'accord. Il habite dans un studio proche de la banlieue, immeuble. Jean Bignon. Jeanne Bignon, ok. 10 ans, 10 ans dans la boîte. Attends, quoi? C'est une fille facile à vivre que tout le monde déteste, ok. Nancy Langer, directrice des affaires. Purée, mais c'est un vrai jeu. Ils ont mis des vrais termes. Purée. Non, et là, j'ai l'impression d'être en cours. C'est pas censé être amusant, là. Julie Hassan, dite Juju. Oh, c'est Juju Fitcat. On a Juju Fitcat dans l'entreprise. C'est trop bien. Elle est femme-enfant. Ah, une femme. Non, j'ai cru que c'est des femmes à enfants. Genre, elle aime bien les enfants, mais non, c'est une femme-enfant. Être couvée par les gens de la boîte, elle connaît beaucoup. Ok, elle, c'est un peu la grosse commère de ces morts. On va faire attention à cette folle. Lucien de. Bon, on va pas regarder tout le monde, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai que 10 euros, purée, 10 euros, je suis trop riche, waouh! Purée, c'est comme ça dans la vraie vie. Mais ça c'est correct avec l'état de mon compte en banque, donc je suis pas très étonné. Alors, réunion interne, 15h, ok. Ah, sympa. Voilà, bien évidemment, sympa était une clique. Est-ce que je peux. Jean-Claude. Ah! Non, mais c'est bon, moi je suis pas un amateur des Sims, ça. C'est ma soeur qui aurait dû jouer à ça. Wow. Purée. On peut s'asseoir, d'accord. Je peux pas voir l'intérieur, c'est où ça? Oh, je peux courir. Ok. Ah, c'est. Alors, je suis perturbé, ok. Ah non, ok, je peux pas. C'est pas comme dans League of Legends. Je peux pas vraiment bouger comme ça. Là, je clique, je tourne, ça marche pas trop. Ok. Maeva, Maeva, papoté. Mais Maeva, reste là! Non, mais purée, mais il parle pas. Alors, je pensais qu'on allait avoir les dialogues. Visiblement, je pense même la cinématique qu'on a vue au début, ça sent qu'elles ont juste repris des trucs de la série. Hein. Ils ont pas réenregistré des trucs. Hein. Alors là, les achats effectués ces derniers, moi, blablabla, puis bientôt va falloir les projections, blablabla. Ok, d'accord. Donc même le jeu dit que c'est pas intéressant ce qui se passe. Parler de grève. Je comprends les gars, ils ont raison, blablabla. Faut voir les conditions de travail, blablabla. C'est le seul moyen de se faire entendre. Ok, c'est cool, Hervé. Simère Hervé. Est-ce qu'elle est d'accord avec moi? C'est cool, dans le jeu, on peut harceler ses collègues. Parler du syndic. Parce qu'on a vu que Hervé met beaucoup le syndic. Ça fait 10 ans que je suis au syndic, blablabla. Et ça fait 10 ans que l'on se bat, blablabla. C'est la lutte. C'est la lutte. Ouais, c'est la rue, tu sais, le syndic et tout. Demander. Téléphoner. Vas-y, téléphoner au fournisseur. On dirait mon stage, purée. Fin de la conversation. Wow. Grosse, grosse conversation. Hein. Mais elle est trop bien cette entreprise. Digidix, non, c'est fou. Est-ce que je peux vraiment être très désagréable avec les gens? Je peux que être sympa à parler du célibat. C'est gros force. Regarde, je la course carrément. Je la course carrément. Hein. Ça fait un petit moment maintenant, blablabla, c'est dur. Le plus dur, c'est le soir, blablabla, seul, toujours seul. Il y a bien les copains, mais d'accord. Ok, c'est bon, on a compris. Gros célib, gros puceau de ses morts, c'est pas grave. Allez. Oh, il y a une salle à carton, c'est trop stylé. Ouais, salle à carton, c'est trop stylé. On en est là. Hein. Ah, c'est chez moi, d'accord. Donc c'est moi ou c'est le bazar?
Ok, consulter, faire le bilan des dépenses. 60 minutes? Du coup, je vais pas jouer pendant 60 minutes, c'est ça? La... Oula. Oula. J'ai un petit peu peur là. C'était plus caméra cachée là. Enfin, caméra café. Utiliser. Ok. Purée, je vole de l'argent. Bah non, c'est mon bureau. Est-ce que je peux voler dans le bureau des autres? Je peux voir des petits trucs secrets. RV. Purée, RV, t'es trop dur à contrôler. C'est. Il est hyper grand notre immeuble. C'est un petit peu un open world. Yes! Bureau de Nancy. Ouh! Nancy, Nancy. Archives compta, hyper intéressant. Armoire de Nancy. Est-ce que Nancy, elle peut s'énerver parce que je vole dans son armoire? D'accord. Je sais pas ce que t'as pris, Hervé. Tu ouvres les tiroirs, tu prends des trucs qu'on sait pas ce que... D'accord. Alors, je suis un gros kleptomane, hein, c'est un peu ça le principe. Je crois que c'est ça dans la série. Hervé, c'est un gros voleur. Hein. Tout le monde dit Hervé. Dès qu'Hervé, on cache toutes les affaires. Hein. Ah, salut Nancy. Salut Nanan. D'accord. Mais pourquoi je peux pas être énervé? Parce que là, en gros, ils mettent parler boulot, mais tout ça, c'est le bureau. Tout ça, c'est le bureau. À part parler du. Ah, peut-être l'actualité. Il se passait quoi en 2005 dans le monde? T'as vu l'info? Et yeah, blablabla, c'est incroyable, blablabla. C'était prévisible, de toute façon. On savait au syndic. Mais arrête avec ton syndic, Harvey, t'es malade. En tout cas, elle a l'air très amusée par le syndic. Elle aime beaucoup le syndic, hein. Je crois que non, c'est ma meilleure pote, hein. Est-ce que si je lui parle du célibat, d'accord. Je l'empêche de travailler aussi, hein. Blabla, je suis solo tête sous l'eau. Ok. Bizarrement, étrangement, mon célibat l'intéresse beaucoup. Il faut que je trouve un autre larbin pour lui donner des tâches à faire. Vu que j'étais censé regarder sur le. Oh! Sylvain. Sylvain d'Acosta. Je vais te parler, Sylvain. Je vais te parler. J'ai un truc à te dire, Sylvain. Salut, Sylvain, ça va? J'en ai marre, Hervé. La direction me prend pour un pigeon. Je me fais exploiter. T'as même pas idée. T'as pas idée. J'ai pas idée! T'es sûr. T'as surtout pas idée à quel point je m'en fous. Je m'en fous. Et purée, Hervé, c'est le mec le plus horrible. Est-ce qu'il était comme ça vraiment Bruno Solo dans la série? Purée. Faut le virer, ce mec. T'es syndiqué? Bah non. Eh ben tu. Ouh là là, c'est un peu violent. Eh ben tu te débrouilles tout seul. Faut commencer par là, Sylvain. Purée. Mais Hervé... Ah non, c'est moi qui choisis. D'accord. Ah, je peux être hyper désagréable. Ah, je savais pas que c'était. C'est un peu un jeu David Cage. T'as un peu plusieurs choix à choisir, c'est sympa. Je pensais que t'avais qu'une phrase à dire, du coup j'ai peut-être été hyper violent avant. Non, non, je vais être sympa. Mais tu crois que je serais digne de rentrer dans ton syndicat? Ah, ça dépend jusqu'où t'es prêt à aller. J'ai en touché deux mots au pote du syndic. Oula. Oh, je crois qu'aucune des réponses était appropriée. Attends, c'est vrai, Hervé? T'es super! Faudra rien dire à ma mère, purée, mais quel loser ce mec. D'accord. C'est sympa en tout cas comme jeu. Hein. Vincent, Vince, Vince, poteau, Vince, le CE, purée, le CE, je sais pas si ça veut dire quoi CE. Conseil économique? Grâce au CE. C'est quoi le CE? Carotte écolo. Non. Grâce au CE, on peut avoir plein de réductions. Ah non, c'est le. C'est la. Purée. Le CE. Le CE, le truc là pour les gens, ils cotisent, ils ont toujours des voyages gratos et des places de ciné, des places de ciné gratuites. Bla 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 bla. Si vous avez une idée, ok, il en a rien à faire, Vincent du CEVIN, il s'en fiche du CE totalement. Hein. C'est pas un mec du CEVIN. Hein. Maeva, je vais déjà parler à Maeva. Je crois qu'elle a fait un truc pour moi. Julie, Julie, Juju, Julie, allez Juju, allez Lily, parlez. Salut Juju, ça va? Ça va, j'ai la pêche. T'as une petite mine, par contre. Non, t'as une petite mine, toi, par contre. T'as toujours la pêche, avec tes sorties en bas, je me demande comment tu fais. Tu prends des trucs, non? T'as toujours la pêche. Ok, ça c'est plus sympa, je crois. Non, non, je vais être sympa avec Julie, elle est très gentille. Ah oui, c'est indispensable pour garder la forme. Tu devrais t'y mettre aussi. C'est vrai que t'as des petits kilos en trop, Hervé. Hein. Hervounet. Eh, dis donc, je suis très bien comme je suis. Ah ouais, tu trouves? Pourtant, je suis en plein régime dissocié en ce moment. L'acte. Last. Ah oui, non. Last semaine, c'est pain mayo à midi, pain ketchup le soir. Ouais, t'as peut-être raison, Juju. T'es toujours de bons conseils au niveau forme. T'as des tarots pour. Des tarots pour la salle de sport. En ce moment, il n'y a rien de négociable. Mais il faut mettre le prix pour sentir bien dans sa peau, Hervé. Bon, ça va avec Juju, c'est un peu ma pote Juju. C'est un peu ma besta, c'est un peu ma bestie, j'aime bien.
Bon, je vais retourner dans mon bureau vu que là ça fait 2 heures que j'ai rien fait de ma journée, dis donc. Hervé, employé modèle, vraiment. Hein. Grosse simulation. En tout cas, en vrai, et je m'attendais à un truc tout nul, enfin. En vrai, tu dis caméra cachée nul, mais en vrai, le jeu, bah, il a l'air hein, bah, un peu cool. Après, ça fait 20 minutes que j'y joue et j'ai rien fait, mais. Mais c'est d'Hervé consulter. C'est pratique vu que là je vois pas ce que fait Hervé. Ah si, je peux peut-être. Non. Oui, c'est bien. Non, Hervé, on bosse ou pas? Hervé, on bosse, hein. Non, purée, vraiment pas envie de travailler, Hervé. Hein. Ah ok, j'ai téléphoné au syndic. Ah ça, 15h la réu. Il se passe quoi si je rate la réu? Est-ce que je me fais agarre? Téléphoner au syndic. Il me faut un téléphone. Ah il est là, Hervé, je l'avais pas vu ce chien. Je fais comment pour tourner la cam? Bon, ok, je peux pas, c'est pas grave. Enfin, pour tourner de. Ah, ça, il y a un tableau. Bloqué! Moi, je peux bloquer l'ascenseur. Non, faire croire. S'il devient que la montagne, il va le bousiller, je pourrais faire venir le. D'accord. Gros pote Hervé, gros pote, hein. Gros pote Hervé, hein. Franchement. Hervé, c'est le meilleur gars de l'entreprise, hein. Tu peux pas partir, Hervé? Ok, bon, là, il a l'air d'avoir une petite réu. Ah, il parle un petit peu en français. D'accord, je suis étonné que dans un jeu français, j'en parle en français. Alors, je peux rien faire. Bureau de Carole, je peux voler des trucs, je peux consulter. Ouh. J'espère que c'est pas Carole qui va venir là. Non, ça, c'est Nance. Qu'est-ce que tu fais, Hervé? Qu'est-ce que tu fais? Enregistrer une conversation au dictaphone. Oula. Utiliser la grille d'aération. Faites attention à pas vous. Mais c'est quoi ce jeu? Harcèlement en entreprise simulator, d'accord. Ah, trop bien, je, franchement, c'est génial. Oh, franchement, c'est. D'accord, attends, je vais réécouter vu que ça avait l'air quand même intéressant hein, ce qu'on peut faire. Hein. C'est une vraie mission, hein, c'est un vrai jeu d'infiltration. Bon, alors, avoir le dictaphone dans son inventaire, ensuite utiliser la grille d'aération. D'accord, donc, ok. On dirait le jeu là avec 12 minutes là avec Daisy Ridley là et Willem Dafoe, on a 12 minutes et faut chercher des trucs dans des placards. Il s'appelle 12 minutes je crois. 12 minutes. Faut que j'ai le dictaphone dans mon inventaire. Wow! D'accord, ça c'est la vue. Ça sert à rien. Ah, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure, ok. Purée, j'ai toujours 10 euros, je suis pauvre. Écoutez la conversation. Obtenir des infos. Ah oui, il faut que je trouve Lucien. Mais il y a trop de trucs à faire dans le jeu. Plus là, c'est que mission 1. C'est bizarre. Je comprends pas tout dans le jeu, je comprends pas tout. Il se passe quoi? Charles passe quoi? Ah, à zéro, je peux recevoir des blâmes et des avertissements. D'accord, bah j'étais un petit peu nul. Purée, mais c'est en speedrun ce jeu, faut aller hyper vite. Bah ouais, là. Petite pause quand même. Petite pause d'1 heure. Conversations peuvent être intéressantes. D'accord. Couleur de l'infobulle. Vous pouvez être brouillé et neutre. D'accord, c'est cool. C'est cool, mais je fais comment? Ce jeu, on va rien faire. Faut que j'écoute des conversations. Vous avez raté le début de la réunion. C'est pas la peine d'y aller, vous aurez un avertissement. Non! Oh non, mais ça va. C'est 18 minutes, je suis pas trop en retard. Attends, je vais essayer d'aller à la réu. Oh la honte. Bah, je vais téléphoner à Compotex, hein, ce serait déjà ça. Mais c'est bon, je rate une réu. On fait une petite visio sur Zoom. Le jeu est trop ancien, le jeu est trop old, hein. Mais c'est quoi ce coup de fil qui dure 1 heure? Mais tu t'étonnes que je rate la réu après. Mais la journée elle est déjà presque finie, il est 16h. D'ailleurs, c'est quoi notre boulot? Oh, je peux aller aux toilettes. Oh, je peux vraiment. Ah, grosse commission! Wow! Grosse diarrhée, Hervé, grosse diarrhée ambulante, cet homme. 1 heure aux toilettes. Wouah! Ouh. Grosse commission comme ça, les gens quand ils vont aller aux toilettes, ils vont sentir mon gars. Ça va être sympa. Hein. Salut Jeanne, je peux te serrer la main en plus?
parler du... Non, on va arrêter de parler du célibat. On va parler... Je crois qu'on a déjà tout fait. On va parler de la direction. On va cracher sur... Mais tire-toi, Vincent! T'es où? Mais je sais plus comment il s'appelle. Jeanne Durougoudou. Ils exagèrent, blablabla. Toujours le profit au détriment de blabla. Je vais faire une note. Oula, purée, Hervé, vraiment, c'est un malade, Hervé. Elle a l'air vraiment d'aimer hein, quand j'insulte tout le monde. Elle a vraiment l'air d'apprécier, en tout cas. Hein. Bon, j'ai quoi à faire, parce que là, j'ai presque tout fait, là. Écoutez la conversation, je fais comment? Je fais comment? J'ai pas de dictaphone. C'est lui, Lucien, il faut que je trouve ce chien-là. T'es où, Lucien? C'est Jean-Claude. Jean-Claude, mon pote. Bon, on ira te parler. Hein. On ira te parler après, Jean-Claude. Oh, c'est Jeanne et Lucien! Vite, il faut que je les écoute. Purée. Non! Elle est où la bouche des rations? Non, non, il faut que j'ai. Aïe, je peux écouter! Mais tire-toi, arrête, arrête! Lulu, Lulu, non! Dégage, dégage! Jeanne. Écoutez, je vais écouter. Alors, ma petite Jeanne, les enfants vont bien? Disons que je ne les vois pas très souvent, mais ça va. Vous savez qu'avec notre syndic, nous avons déjà obtenu dans d'autres entreprises des aménagements d'horaires pour les mères de famille. Pas comme ce chien d'Hervé qui fait rien pour vous. C'est vrai? Ah, mais le syndic, c'est juste le. Pourquoi je dis le syndic? Mais le syndic, c'est juste le syndic, quoi. C'est le syndic d'une entreprise. C'est juste les gens qui font en sorte que les droits des salariés soient respectés, quoi. Je pensais que tu sais, c'était les syndics de copropriété, donc j'ai été perdu. Eh oui, ce qui a permis à beaucoup de mamans comme vous de profiter un peu plus de leur petit marmot. Je passerai quelques coups de fil importants mardi soir pour débloquer ça. Oh, merci Lucien, mes enfants seront ravis. Vous savez que les élections du délégué et du personnel arrivent bientôt. Si vous voulez quelqu'un de plus actif que ce Hervé Dumont, pensez-y. Ça part sur toi, Hervé, on va pas laisser ça, on va pas laisser passer. Ouais, il a rien dit. Hein. Tu sens qu'elle est un petit peu gênée là, tu sens qu'elle est un petit peu gênée. Salut Jeanne. Salut Jeannette. Bonjour Jeanne, il est sympa Lucien, non? Salut Jeanne, j'espère que tu ne te laisses pas embobiner par ce. Non, j'essaie d'être. On va faire la technique. Pas trop direct. Oh, qu'est-ce qu'il est sympathique. Et arrangeant en plus. Il nous arrive de discuter pendant une heure quand on boit le café. Il m'écoute. Il m'écoute! Ah d'accord, sous-entendu. Wow. Ouh, il y a une grosse tension là. Il y a une grosse tension. Non, Jeanne. Attends, là maintenant je vais faire la version pas cool. Embobiné? Dis plutôt que t'es jaloux. Il serait plus efficace que toi en délégué du personnel. Il a déjà trouvé des solutions à mes problèmes. Lui, pas comme toi qui fait traîner les choses depuis des années. Wow, non. Ou Jeanne elle. Oh, je l'ennuie. Oh, comment j'ennuie Jeanne, c'est pas cool, hein. Hervé, ce gros loser, mais je peux pas m'auto écouter les conversations entre Nancy. D'accord, donc ce petit Lulu, il va voir tous mes frérots, il va les voir, il va essayer de les dissuader. Enfin, il va essayer de les embobiner. Purée, je pensais pas ça de toi, Lucien. Je savais que t'étais un vrai requin, mais comme ça, au point de prendre ma place auprès de Nancy, de Nanan. Nanan, ma pote. Je peux pas laisser passer ça. On va clairement pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Salut Nanan! Salut Nanan! Coucou Nanan! Ça va? On s'est déjà vu plus tôt, mais on a le droit de toujours parler, Nanan! Vous entendez bien avec Lucien? Oui! Je compte bien voter pour lui aux prochaines élections. Wow! Wow! Ah ouais! Ah ouais, Nancy, elle a pas. Ok. Ah ok. Wow! Je suis un peu choqué là. Je suis un petit peu contrarié. Purée, 18h41, on bosse toujours, c'est quoi cette entreprise? 19. 8h, 19h, ça fait. Ça fait 11h par jour. Ça fait 11h par jour. 11... On travaille trop! 55 heures par semaine! Purée! Attends, est-ce que je sais bien compter? 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait 55 heures par 5 ans, on fait du 55 heures. Bon, tu me diras, enfin, les autres sont du 55 heures, vu qu'Hervé, lui, il a quand même passé une heure aux toilettes, une heure au téléphone. On peut pas dire que c'est le plus gros bosseur. Jean-Jean. Si Jean-Jean me trahit et vote pas pour moi aux élections, ça va chauffer, ça va chauffer.
Tiens, Jean-Claude, c'est ça, ton Lucien là. Il serait pas ami-ami avec Jean-Guy? Salut faux frère, alors, comment ça se passe avec ton nouveau copain? Pff, on sent qu'il est un petit peu contrarié. Hein. Oh, c'est bon Hervé, sois pas jaloux, on n'est pas mariés, je trouve sympa ce Lucien. Lui au moins il me comprend. Oula! Oula, dis donc. Purée, Jean-Claude m'a trahi mon frère. Ah non, faux frère, c'était violent, faux frère. Je pensais que c'était. Ah, faux frère! Genre, ah, vieux singe. Personne dit vieux singe. Hein. Oula. Oula, oula. Oula, purée, Hervé. Harceleur, grossophobe. Non, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. C'est pas très gentil, ça. Wow. Non, c'est pas cool. Non, Annie. C'est trop ma pote, Annie. Alors, j'ai entendu parler de vous. Quand vous... J'ai encore. Faudrait arrêter d'être la boniche de tout le monde, ça devient indécent. Non, j'essaie d'être gentil. Ah, oh, monsieur, j'aime rendre service, tu vois. Mi sympa, mi gros chien. Ouais, on a rien à faire. Hein. Ah, c'est la fin de la journée. Eh, j'ai réussi 4 missions sur 5 et j'ai un avertissement, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas tout réussi là. J'ai pas tout réussi. Non, mais c'est pas mal. Non mais c'est bien des petites découvertes pas trop longues, là au moins vous avez cerné l'esprit du jeu. Hein. Et du coup là je joue Hervé, mais si j'avais joué Jean-Claude, peut-être que je serais plus sympa, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, et franchement je m'attendais à un jeu pourri, mais il a l'air d'avoir un peu de profondeur de gameplay. Enfin c'est pas le bon mot, profondeur de gameplay, mais il y a des trucs quoi, c'est sympa. Bah j'espère que la vidéo vous a plu. Vous a plu? Yes? Si c'est le cas, big like, big abonnement, subscription comme disent les Amerlocs et au revoir.